Mercredi 12 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo. Le temps, on va se gâter très nettement aujourd'hui après le soleil dont tout le monde a profité hier. Voici les perturbations nuageuses et pluvieuses, la grisaille et les averses localement. En conséquence, vous vous en doutez, les températures sont en très nette baisse avec 15 degrés seulement cet après-midi à Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer. 19 degrés à Lille pour les maximales, on en reparle après ce journal. L'actualité sociale tout d'abord avec une situation compliquée désormais entre les syndicats et la direction du groupe Happy Chic. Pour rappel, l'entreprise nordiste qui réunit des enseignes telles que Jules, Brice et Bisby va fermer 88 magasins et supprimer 466 postes. Hier à Roubaix avait lieu un comité d'entreprise extraordinaire, très attendu par les syndicats pour en savoir plus quant au plan de sauvegarde de l'emploi, quels seront les postes impactés et les indemnités prévues. Mais dans un premier temps, la direction n'a pas voulu donner les documents et les informations. Les syndicats ont alors suspendu la réunion et la tension est montée d'un cran. Finalement, la direction a lâché quelques infos, notamment concernant les indemnités, lesquelles sont jugées insuffisantes par les syndicats. Écoutez ainsi le sentiment d'un des délégués, hier au micro de Xavier Silly. On n'a pas encore décidé d'une hauteur d'indemnité, hein. On veut juste que ce soit correct, que ce soit par rapport à leur nom, aux anciennetés des personnes, mais aussi à leur situation, s'ils sont parents isolés ou tout ça. Et à côté de ça, nous, ce qu'on voudrait surtout, à la rigueur, c'est, vu le nombre de démissions qu'on a déjà eues sur l'année 2018, pourquoi pas annuler ce PSE, parce qu'il ne servirait plus à rien. À ce jour, sur l'année 2018, rien que sur les licenciements, on est à 99 licenciements. C'est scandaleux. Et après, par rapport à 2016 jusqu'à maintenant, on est une totalité de licenciements, démissions, ruptures conventionnelles de 2095 salariés. Les syndicats vont désormais continuer leur rencontre avec la direction et les salariés jusqu'au prochain CE le 18 septembre. Toujours au chapitre social, la reprise du site Arjo Wiggins à Wizern est désormais officielle. Henri Breban, le dirigeant du groupe Whispaper, a signé hier à Paris un investissement de 16 millions d'euros et la création de 80 emplois directs sur place. Le travail pourrait reprendre d'ici quelques semaines à peine. Une issue favorable qu'on salue évidemment les syndicats et le personnel sur place après des mois de lutte sociale. À Dunkerque, comme il l'avait annoncé, deux élus du Rassemblement National, Adrien Nave et Philippe Emery, ont porté plainte auprès du procureur de la République contre le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Il lui reproche, je cite, « l'aide à l'implantation illégale de migrants et le détournement d'argent public au profit de l'immigration massive et incontrôlée », selon un exemplaire de la plainte adressée au procureur que nous avons pu consulter. Contacté à ce propos, Damien Carême ne souhaite pas faire de commentaires, il nous a simplement indiqué vouloir laisser la justice faire son travail. On écoute donc un des plaignants, Adrien Nave, au micro de Marine Kijek. Il n'y a pas de côté symbolique, c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus puisqu'on est régulièrement intervenu en conseil municipal, au conseil régional lors des différentes séances plénières. On a déposé des vœux, des motions et donc voilà, le recours ultime, je dirais, c'est d'arriver devant le procureur, devant la justice pour qu'enfin on puisse avoir une décision favorable pour que cessent ces actions en faveur de l'immigration. L'objectif, c'est effectivement de fermer les robinets financiers qui aide cette immigration, puisque tant qu'on n'arrêtera pas de verser de l'argent, d'aider, en tout cas, tant qu'on ne condamnera pas les responsables qui aident cette immigration, on n'arrêtera jamais la problématique migratoire sur les Dunkerquois. En bref, dans cette édition, dans l'actualité, après plusieurs séries de dégradations de boucheries, charcuteries ou poissonneries dans la métropole lilloise, BFM TV nous apprend ce matin que 6 interpellations dans la mouvance vegan ont eu lieu en début de semaine à Lille. 6 militants interpellés à la suite d'une enquête de plusieurs semaines par la Sûreté urbaine de Lille. Ce mouvement anti-spéciste lillois serait donc en cause dans la dégradation de vitrines, de boucheries, charcuterie et poissonnerie entre le 15 mai et le 3 août 2018. Au cours de ces dégradations notamment, les vitrines avaient été cassées et du faux sang avait été jeté sur ces mêmes commerces. L'esprit vegan, dans un tout autre rapport avec un livre pour aider celles et ceux justement tentés par le mode de vie mais sans savoir par où commencer, Stéphanie Barzac, fondatrice de la société La Veganista, vient de publier Vegan Pas à Pas, une sorte de guide pour débutants. En 2016, après des recherches sur la consommation bénéfique ou non de la viande pour l'humain, elle est d'abord devenue végétarienne, puis a peu abandonné toute forme de produits animaux. Aujourd'hui, elle donne des conférences sur comment ou pourquoi devenir vegan. Elle anime aussi des ateliers culinaires en magasin bio, chez les particuliers ou en entreprise. Ce livre, c'est pour guider celles et ceux qui se sentent perdus dans leur cuisine et doivent se débrouiller seuls au début pour bannir ces produits animaux. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant.
Premier truc, c'est de se rassurer soi, de voir ce qui est fait, de voir que d'autres l'ont fait, ça rassure et ça peut donner envie de se dire bah, moi aussi j'y vais. Donc c'est se rassurer par le goût déjà, il faut aimer, ne pas rester sur des préjugés qui ont parfois la vie dure. Non, les véganes ne mangent pas que des graines, ne mangent pas que des céréales ou des légumes ou des fruits, on n'est pas des lapins. Hein. Donc il y a une grande variété culinaire aujourd'hui sur la cuisine végétale et c'est une cuisine à part entière. On n'a peut-être plus le luxe aujourd'hui de continuer à consommer autant de produits animaux. Donc c'est vraiment un choix qui doit être fait, et si possible assez rapidement, pour les générations qui arrivent. La planète n'a peut-être pas encore 50 ou 100 ans devant elle pour subir encore les dégâts de l'élevage. Et puis dans cette édition également, la belle histoire d'un jeune habitant de Grande-Synthe, Mathéo Dubar, 13 ans, repéré sur Internet par l'équipementier officiel de l'équipe de France de football et invité à passer une journée à Clairefontaine auprès des joueurs champions du monde. Après avoir tourné une publicité pour la nouvelle collection de la marque, Mathéo a pu assister à l'entraînement des Bleus et ainsi approcher de près ses idoles, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba. Il a notamment assisté à la conférence de presse du match face à l'Allemagne. Pour lui, évidemment, des moments inoubliables et qu'a suivi pour nous Omar Mustapha. On écoute d'ailleurs le jeune Matteo, son ressenti. Il est encore un peu sur son nuage. Alexia de Nike et Blacklist m'ont préparé une surprise. C'était d'aller voir l'équipe de France à leur entraînement. Et du coup, on y allait, ça s'est super bien passé. Et j'ai vu l'équipe de France. J'ai vu Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Pogba, les meilleurs quoi, ce qu'on a retenu. Et sinon c'était plutôt bien. Alors là je remercie Alexia, Eleonore et l'équipe de Blacklist de m'avoir fait cette surprise parce que je pensais pas que j'allais y aller là-bas. Mais franchement c'était super bien. Mais après je voulais pas faire montrer que j'étais content sinon parce qu'on m'aurait pris pour un gamin, pas sérieux et tout. Apparemment c'est pas encore fini, je vais les rencontrer prochainement. Mais là, ils étaient en préparation pour leur match de l'Allemagne. Et par l'occasion, je défie Pogba en battle de danse. Le message est passé. On vous tiendra bien sûr informé de ce défi. Pourquoi pas ? Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre d'autres informations, bien évidemment. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.